Ça retourne. Voilà, vous du jour. Monsieur. Oh, le voûté. Merci. C'est grand en fait le grand tour, c'est bien. Ouais, il y a de la distance. Mais le cadre est agréable. Là, franchement, j'ai pas l'impression d'être dans Nancy en fait. Tu m'aurais déposé là, tu m'aurais fait devine où on est. J'aurais été comme un ego à te dire. Non, mais t'inquiète pas, je vois que tu te retournes nerveusement. Tout va bien. Mais en fait, ce qu'il te faudrait, c'est un rétroviseur. Tu pourrais jeter un coup d'œil qu'il y a derrière toi sans tourner la tête. C'est ça. Eh, hey, on est à côté de la route, on voit les lampadaires. Oui. Je crois qu'on sort du parc, hein. Tu crois? Bon, voilà. Bah, de ce que j'avais vu du plan dessiné, ça faisait vraiment l'extrême tour. Ouais. N'importe quoi. Je repasse à ton histoire de mine dans le parcours des chevaux. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Il y a de ces graffitis. Ouais. Oui, c'est. Je suis troublé. Je m'attendais pas à trouver ça. Mais on continue à perdre de l'altitude. Ouh, la montée, elle va être douloureuse. Hein, parce qu'on a eu un sacré dénivelé. Ah ouais. Oh là là, c'est fou ça. Ah ouais. Alors attends. Donc on va aller par là, on va aller à droite. Je vais filmer la carte et la sortie. Oh là là. Oh là, la montée. Ouais, bah ils auraient dû mettre des escaliers. Oh. On sait qu'il y a les chevaux qui passent ici, théoriquement. Mais... Espace romantique. Bah là, on était tout à l'heure. Oui. J'avais pas vu l'espace romantique. C'est pour ça qu'il y avait des noms sur les tables. Oui, il y avait des petits cœurs. Oh non, trop bébé. L'espace romantique, j'adore. Ah ouais. Ouais. Non, on va faire le grand tour, là, c'est bien. C'est bien. Et en fait, notre table de café, elle est au niveau de la clairière sud, à l'opposé. En fait, on est passé là tout à l'heure. Quand on s'est arrêté, c'était là qu'il était le banc. Oui.
Oui, Nous, au on va niveau de la passer prairie là. avec les moutes-moutes. Ouais, on va Le passer en plus dessous, là. donc. Ouais, on va passer en bas. Avant de rejoindre le... Non, mais c'est génial. Et attends, je voulais... Attends, je Ah, voulais mon filmer Dieu. la sortie. Elle est trop bizarre, la sortie, je la connais pas. Je la connais pas. Hop là, Bayonne, pardon. Nancy. Eh bien, il l'a fait à pied. C'est marqué Bayonne, Ouais, Nancy, je sais là. pas. Attends, il faut aller... Je sais même pas où est-ce qu'on est, là. Mince, oh, je filme le trottoir. La vidéo mystérieuse. C'est sûrement le lycée Erré, je crois. Ça, un lycée. Attends, le lycée Stanislas, je crois. Ouais, bah c'est la partie administrative, hein, parce que... Mais non, il y a des machines de... Ou alors, ouais, moi qui soit... C'est un lycée technique, oui, c'est Ouais, Stanislas, oui. parce que je vois des machines industrielles, c'est un truc d'école, effectivement, là on est du côté des ateliers et de la... des cuisines, parce que j'ai vu un mec en toque passer, me regarder par la fenêtre, là, il disait, mais c'est quoi ce rigolo? Attention, feu interdit. On a vu des feux tout à l'heure. Pardon. Oui, feu interdit, non, c'est pour ça que j'ai Et pesté. avant, c'était un panneau Pour les bus. bus, ouais, ils l'ont recyclé, exact. Exact. Attends, je sais pas si... Attends, il faut que je le filme aussi, parce que... Autant joindre l'image à notre propos, tant qu'on est sur place. Donc là, on voit le panneau feu, attention au feu, là, feu Toi, interdit. tu filmes sur le côté, en Oui, fait. il faut finir sur le côté pour voir l'ancien relief de la première version du panneau, où on voit dessiner un bus. Je ne sais pas si vous le verrez à la Là, il y a une caméra. roue, là, il y a l'avant, le toit, Très bien. là, c'est les phares ici. Roue avant, roue arrière, arrière du bus. Tac, c'est comme ça. Ouais, excellent. Ouais, je pense qu'ils l'ont vu, parce que là, j'ai envoyé du coup d'œil à la caméra. Mais ouais, excellent recyclage de panneaux. Ah mon Dieu, ça grimpe. Oh, ça grimpouille. Ah là, j'y vais tout doux là. Surtout que c'est pas glissant du tout. Non mais hey, ça, tu te casses la binette en hiver. Hein. Quand il y a du givre et de la neige, c'est même pas la peine. Hein. Tu passes pas. Tu te ramasses comme un caca. Ça fait vraiment toboggan. Je sais pas comment ils gèrent le parc, mais j'espère qu'ils condamnent des allées en disant attention, danger. Voilà, fallait tout le... Bonjour le chien. Bonjour madame. Ah, elle est tout doux. Bonjour madame. Pas de geste brusque et voilà, ça se passe très bien. J'aime bien dire bonjour aux animaux, même s'ils répondent pas. Enfin, s'ils répondent de leur manière. Ces habitations là. Ouais. Bah, hey. Excuse-moi, mais hey, vénard celui qui a le balcon en haut. Parce que quand il voit passer un cheval, ça doit être sympa. Et quand il est en train de passer un avion, c'est encore moins sympa. Bon, ça c'est autre chose, mais... C'est Non, ça c'est cool. intelligent, je trouve. Je serais architecte en bâtiment. Il y a un chemin à gauche, à droite. Ouais. Ouais, on fait vraiment l'extrême. On fera des variantes une autre fois quand on viendra une autre année. Mais... Ouais, voilà, j'aime bien ce que fait l'architecte là. J'aurais été architecte, j'aurais fait pareil. L'idée de mettre en escalier les immeubles pour qu'il y ait une partie terrasse et un côté agréable. Oula, c'est la brocante là. La vache. C'est plus un appart, c'est un entrepôt. Ibé, dis donc. Ça, c'est plus récent, la clôture, hein, que le mur. Ouais. Non, ça doit douiller, je pense, les loyers là. C'est appart de luxe, hein. C'est des très beaux apparts. C'est des HLM ou des classiques? Non, pas loyer modéré. Pas loyer modéré. Non, ça peut pas être un loyer modéré. Non. Parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait, que tu en parlais tout à l'heure, des bars Oui, HLM HLM, au fond ouais. du Lièvre. Oui. En dessous, ils ont fait des habitations HLM. Alors, Ouais. c'est un peu le même style, mais c'est sûr que c'est moins. C'est peut-être moins construction moins onéreuse, mais c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Mais Non, c'est non, un non. peu trop en bon état. Ouais. Non, ici, non, mais non, on voit le confort. Attends. La finition, elle est supérieure. Là, le loyer ici doit être immodéré. Oui, immodéré. Ça doit être douillet, le loyer Habitation ici. loyer immodéré. HLI. C'est un HLI. Ouais. Ah, franchement, alors je sais pas. Oh, le chat, il est beau. Attends, j'aime pas filmer les propriétés privées, mais là, le chat, il est trop beau. Regardez le chat, comme il est Le beau. chat. Le chat. Il est trop beau. Comme un sphinx.
Non, non, je sais pas quelle surface ils ont, mais au nouveau confort, surtout s'ils ont une cave et un garage, ils disent qu'il y en a pour 800 par mois de loyer, que ça m'étonnerait pas. Au moins 800. Non, non, ça doit douiller, là. C'est magnifique. Très beaux immeubles. Oui, ben on va dire que ça porte chance. Le pied droit ou pied droit. Le pied, ça marche ou ça marche pas. Tu vas gagner ta prochaine partie de Edge of Empire avec que des cavaliers. Avec les cuirassiers français, tu te ça. Aucune, ils ont rendu plus faible avec les puis des patchs. Mais avec à un moment, une époque, une grande époque de Edge of Empire 3 d'origine. Les cuirassés, ils se foutaient que d'autres populations, je te dis, ceux qui prennent, tout le monde prenait des Français, et faisaient que les cuirassés se dépêchaient de récolter or et nourriture, faire une écurie, et popper rapidement les cavaliers, enfin, en late game, personne ne pouvait t'arrêter, et en plus, si c'était un mode traité, il y avait tout le. T'avais la carte traite des fourrures, non pas traite des fourrures, commerce de je sais plus quoi. Et quand tu l'as lancé, ça a échangé toute ta nourriture contre plein d'or. Du coup, au début de la partie, tu concentrais les cours sur les moulins. Tu avais plein de bouffe, tu les changeais contre l'or. Tu avais plein d'or d'un coup, mais tu n'avais plus de bouffe. Mais comme tu avais plein de moulins, ça revenait très vite. Ah. Et du coup, c'était hyper, hyper abusé. Ah oui. Et du coup, tu gagnais toutes les parties, personne ne pouvait t'arrêter. Même avec les plus grands stratèges, ne pouvait rien faire de ouais, c'était complètement craqué. Des mousquetaires, tu perdais quand même. Tiens, pour voilà, parler jeux vidéo, j'ai regardé un speedrun. Alors assez ancien, il y a sûrement des nouvelles techniques depuis ces dernières années. Zelda, l'Ocarina du temps, Ocarina of Time. Il y a une scène à un moment où le grand méchant, son château s'est effondré et le héros Link, donc fait face au boss, je sais, Gagendorf, là je sais plus comment il s'appelle. Bref, normalement, dans la logique du joueur, tu te présentes en brandissant ton épée pour être confronté au boss. Et il y a une cinématique qui fait que, bah, banque de bol, Link est soufflé par un effet magique du méchant, et il en lâche, il en perd son épée, qui retombe hors de l'arène de combat. Ouais, ouais, vas-y. Et qui retombe près de la princesse Zelda. Et dans le speedrun, il s'avance non pas pas épée en main, mais le bouclier en main. Ce qui fait que c'était pas prévu, cette exception. Alors que le joueur est libre de le faire, mais c'est entre guillemets pas logique. Et bah ça fait bugger en fait la le jeu. Bon, le jeu continue, mais il se trouve qu'à un moment donné, bah Link se retrouve avec deux épées. Le truc impossible. C'est le bouclier qui gicle là. Et en fait, l'épée qu'il a gardée finalement dans le dos, il peut s'en ressaisir juste après. Mais il y a l'animation de l'épée qui gicle. Donc ça fait un duplicata de l'épée légendaire. La scène est très conne, mais dès que je l'ai vue, j'ai pouffé de rire. J'ai Ocarina of Time, je crois que j'ai sur la PlayStation 4, mais j'y ai jamais joué, très peu. Oula, doucement. Jamais vraiment. Et quand je parle, je me concentre sur un sujet bing, je vois pas les obstacles. Par exemple, à cette branche, je vais parler, je vais pas l'éviter. Ouais. Comme ça, blabla, blabla, blabla. Aïe, aïe, aïe. Ouais, parle pas de malheur. Ah, c'est bien, là c'est ombragé, c'est aéré, on respire. T'as vu le mur là? Ouais, grillage pour éviter là. Oui, dans la tour on peut se barrer. Si c'est haut la vache. Oh là là, oui, c'est haut, ouais, haut. Faudrait pas que le mur bascule dans l'autre sens par contre. Ouais, peut-être pour ça qu'ils ont mis le grillage. Oh là là. Ça coûtait moins cher de mettre une grille. Plutôt mettre un nouveau mur. Bah oui, quand tu vois le. Des pierres comme ça, pour en trouver. Ouais, il n'y en a plus. Par la Tastane, quand c'est un monument historique. Ouais. Voilà. C'est pas toi qui m'avais dit que t'avais un pavé de la Tastane sous verre? Non. Qui c'est qui m'a dit ça? J'ai un proche qui m'a dit, je l'ai pas vu, mais il m'avait affirmé, oh, j'ai un pavé de la Tastane historique sous verre.
c'est vraiment dommage, je fais ça pour la beauté de la place, d'avoir choisi du calcaire qui est beaucoup moins solide que le grès qu'il y avait avant. C'est certes, c'est plus joli, mais c'est très fragile. Ouais. Donc tous les 20 ans, un petit retour à la place. Moi, je pense qu'ils ne le font pas avant une dizaine d'années, mais il y a quelques pavés, moins 10% des pavés qui sont fissurés. Là, ça monte maintenant. Ouais, ça grimpe. Ça grimpouille. D'ailleurs, je vais ralentir le rythme. Parce que je vais être trop claqué. Ok. Si je donne trop d'énergie maintenant, sachant que... Tu vas avoir un bon café avec... Bah, il y a ça, et puis qu'il est 16h30. Ouais. Et j'aimerais encore lever le pied pour garder un peu d'énergie jusqu'à 19h, 20h. Et rentrer chez moi pas trop cassé. À un moment sur la balade, je crois qu'on va se séparer, enfin à la fin de la part de la balade, on va se séparer. On reste à savoir où est-ce qu'on se séparera, est-ce qu'on prend la place stade, est-ce que tu me quitteras avant parce que tu seras assez proche de chez toi, oui, pourquoi pas. Bah tu me quitteras au moment où tu seras proche de chez toi. Ouais. Moi je ferai le reste chez Pénard en solo. D'accord. Bah oui, t'en fais pas. Toi tu fais les places là, oui. On va prendre le même trajet qu'on a pris à l'aller. Bah moi je me revoyais stricto sensu en partant dans le sens contraire. Ok, donc je... Ouais, en suivant le... Ah ouais, c'est trop rigolo de voir la voie en travaux quoi. Ouais. Alors attends, là on sort du parc. On sort du parc. Mais je comprends pas. Je comprends pas où on est. Parce qu'on dirait une fusion de parc là. Ouais. Là c'est plus le parc de Brebois mais ça reste un chemin de... Bon, bizarre. Et du parc de Rabat. Oh la vache, le cadenas, toi. Ok. C'est pas bon. Un grand ancien, c'est marqué. Oh, ça grimpe. Ouais. Ouh, ça grimpe. Ouais, la montée est tellement abrupte que j'en repère mon froc. Il y a une question en anglais. Une question dans la langue de Shakespeare? Moi je pense que c'est to be being. Je pense que c'est to be. Le seul verbe qui a deux prétérites en anglais, c'est to be. En anglais est être, avoir ou venir. Je pense que c'est to be parce que des fois il y a to be being. Être deux fois. Ils mettent, je pense que phrases, c'est être aussi. Être, ouais. Des fois. Et j'ai jamais compris pourquoi ils mettent. Ouais. To be being. Ou être. J'ai pas compris. Ouais. Oh,
Quoi? Ah, la souche. Tant que ça tourne. Ah, tu y vas trop tôt le temps qu'elle arrive. Eh, on te voit, on te voit. Ah, tu vas nous faire un ballet classique là. Ah. Donc ça traverse les épines de jeans. Hein. Ah oui. C'est du passé, le prétérite en anglais. Que je sache, oui. Les verbes irréguliers, tout ça. Oui. Mais. C'est. Le dernier cours d'anglais que j'ai eu, j'étais au lycée. Hein, alors. Oui. La caméra filme le plafond. Ah, ah oui, la cime des arbres, t'as raison. Le plafond, parce que j'imagine qu'au dessus. Mais qui c'est qui a mis cette texture aujourd'hui? Et qui se croit dans un jeu vidéo tout le temps. C'est qui a réalisé cette texture? Oui, tranquille. À personne. C'est un chat? Comment dirait? Je sais pas. Ouais. Je ne sais pas ce qui a été graffé sur le mur. Je peux juste poser des questions pour ça, c'est en plus. On va par là, oui. Le premier petit chou avec des araignées. C'est ça. Mais on se va se dire dans le bon sens. Attends, tu peux me dire 30 secondes la caméra s'il te plaît, parce que mon froc là, je vais être en slip dans 5 minutes. Excuse-moi, mais... Vous avez entendu, il est en slip. Ouais, non mais vraiment, j'avais la taille du pantalon qui m'arrivait en bas des fesses là, ça va plus. Heureusement que j'ai un polo assez grand pour... Je me rapproche pour éviter de tirer sur le câble. Oui, pour le câble, excuse-moi, parce que je retombe mes fringues. Merci Nayonet. Je t'en prie. Ouais, non, ça devient vraiment inconfortable. La prochaine fois, une ceinture. Oui. Je voulais avoir l'aisance de ne pas emporter, mais j'ai eu tort, j'avoue. J'ai repris de ceinture au bout de 2 minutes de marche depuis chez moi. J'aurais jamais choisi la pantalon. Nickel, jamais. Je pourrais glisser une dans mon sac la prochaine fois, c'est vrai. Des fois, j'arrive à trouver des bons pantalons. Ils sont tellement bien que je les mets très, très, très souvent, mais du coup, je suis obligé de. Ils s'usent plus vite, comme j'aimais tout le temps. Et bah, je suis obligé de mettre ceux que j'aime pas. Ah bah. D'ailleurs, tu me fais penser, demain il faudra que j'essaie de faire une lessive. Ah oui, moi aussi, j'en fais. Elle marche toujours bien ta machine à laver? Oui, parfaitement, merci. Du coup, j'en ai racheté une. Ah, t'avais une pâte, t'avais dû en racheter une. Oui, en fait, tu m'avais conseillé une machine.
J'avais conseillé une machine, je ne sais plus la marque. Ouais. C'était. J'essaie de me souvenir de la marque. Là, chez toi. Oui, oui, je sais même plus. Je pourrais même plus dire les marques que j'utilise chez moi. Mais ouais, non, c'est. Mon dernier investissement en électroménager, c'est. Je crois qu'il y a 2-3 ans de ça. Lave-linge. Bon, lave-linge, ouais, j'avais rendu ça, là. Ouais. Mais le lave-linge, écoute, je le connaissais depuis que j'étais gosse. Alors, c'est pour te dire, c'était pas de la merde. Ouais. C'était la marque française Vedette. Ah. Et non, il a tenu, je crois, un quart de siècle, sans déconner. Tu m'as dit un quart de siècle. Et non, là, il était irrécupérable. Je lui ai dit, il faudrait que je m'en débarrasse. Et puis, il y avait la promotion des soldes à l'américaine, là, le vendredi noir. Ouais, ouais. Black Friday. Ouais. Et je sais plus, j'ai acheté. De tous les temps, j'ai acheté un modèle qui était dans le top 100 des meilleurs lave-linges depuis qu'il y a un classement à l'international. Donc je sais que j'ai pas acheté de la merde, j'ai pu investir avec plaisir dans un modèle, je crois que je l'ai payé à moins 30 ou moins 40. Mais vraiment une affaire en or, quoi. Et c'était le jour J, quoi. C'était. J'avais 24 heures, ouais, ouais. Et... pas déçu. J'adore le. Je suis loin d'avoir exploité tout. C'est le nom de ta machine, actuelle. Tu l'avais montré. Tu l'avais montré. Je te redirai. Je retiens pas de tête. Il était tout noir, je crois, ton lave-linge. Ouais, il est tout noir. Mais non, très bien. Je suis loin d'avoir expérimenté toutes les fonctionnalités. Mais le. J'aime bien, j'ai essayé le programme délicat, j'ai essayé le programme économique qui dure 3h30, mais qui va tout doux. Et justement, c'est bien, ça ne maltraite pas le linge délicat aussi. Trop bien. Franchement, il est extra. Thompson. C'est ça ? Possible. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais c'est possiblement Thompson. Oh, je te redirai le modèle si tu veux. Ah, vache. Thompson. Je me souviens plus que du nom de ta machine que moi, je me souviens. Non, mais envoie-toi. Non, ce genre de détails, je ne mémorise pas. Je préfère mémoriser des codes, des trucs du boulot et être efficace que retenir quelle est la marque de ma bagnole, l'immatriculation. Ah. Non, t'as pas tous les mêmes trucs. Ouais. Et du coup, on était parti se croiser une machine de laver. Ah oui, t'as dit que tu devais faire ton linge. Je vais faire moi aussi. Ouais. Le mur est emmuré, toi. C'est tout plein derrière, tout court. Oh, bonjour. Et on n'a pas revisionné la première précédente, le bon, j'ai eu peur. Ah. Qu'il y avait une course à pied, là, dans le. Un coureur dans la forêt, là, puis je me suis mis à hurler. Tu te souviens plus? Il me semble qu'à un moment t'as eu peur, mais. Ah, voilà, on l'a pas revisionné, mais c'est quand on va le faire, ça va être clippé, c'est obligé. Tu dois quitter vos culés? Ou que c'est averti? Non, je sais plus. Oh, il y avait un coureur à pied. Et, bref, j'ai mal réagi, je m'y attendais pas. J'ai sursauté en gueulant. L'effet de surprise était total pour moi. Bonne rentrée, bonjour madame. Ah oui, là aussi le mur est en train de partir. Ah, plus de mur. Mais c'est une sacrée enceinte, tu dois refaire tout le mur de bravoir. Ah, c'est énorme, tu les travaux qu'on va faire. Oh, on a des individus talentueux. Ça, tôt ou tard, ce sera refait. Ouais. Peut-être d'une autre manière, ce ne sera pas forcément un mur en pierre sèche, malheureusement. Ouais. Mais. C'est joli en pierre sèche. Ouais, c'est magnifique. Il y a un petit panneau à voir là. Ouais. Un petit panneau à lire. Ah, c'est intéressant, t'as bien fait de leur repérer celui-là. T'as
Attends voir que je suis bien droit. Calcaire sableux ici en fait, ah, c'est marqué. Villers-Nancy, ok. On va tranquillement. Oui. Il fait bien fatigué là. Voilà, tout doux, dans 10 minutes au bout de cette allée, café. Un bon café encore chaud, c'est bien. Et... ouais, grâce à toi, merci tout plein. Mon café, pour info, je ne sais pas si ça joue beaucoup pour les dosettes, mais je le garde au frais, le paquet fermé et dans le frigo. Ah, alors que moi, je conserve au sec. Je me suis dame. Je le réflexe, je suis crevé. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. On va rester ensemble. Bah oui, donc c'est surtout que c'est faire connaissance. Le chien, c'est pour ça qu'il me renifle. Ouais. C'est pour l'identifier. Oui, c'est pas grave, il suffit de ralentir. Il renifle les gens. Oui, mais c'est animal, c'est normal. C'est normal. Quand j'ai touché des chats avant, ils reniflaient. Ils reniflent longtemps mon pull ou mes mains. Ouais, bah ouais. Non, ce qui me rend toujours fou, c'est quand je vois ces chiens de petite taille et de me dire que son grand ancêtre, c'est le loup, ça me... Dis bonjour, monsieur. Oui. Non, c'est pas grave, je t'ai embarqué avec moi si tu l'as salué, mais... Non, mais tu vois, tu mets un chihuahua à côté d'un loup... Ouais, oh là, qu'est-ce qui se passe, le loup mange le chihuahua? Bah, en se disant que le chihuahua, c'est son ancêtre, c'est le loup. Bah oui. C'est fou. Bah, tu sais que les gènes des chiens sont...
par rapport aux loups, ils ont, les chiens et les loups ont 90% de gènes communs. Mmh. Donc voilà, mmh. Tous les chiens sont en rapport avec les loups. Voilà, te voilà arrivé enfin, tu pourras te reposer. Ouais, et puis là, je vais filmer dans le sens contraire de tout à l'heure. Ouais. On va changer de table, on va prendre l'autre. Ah bon? Ouais. Si tu veux. Oh, elle penche beaucoup l'autre table. Ouh là là, la balance de l'autre. Ouais, c'est celle que tu veux. Je vais changer, je t'en ai proposé de prendre l'autre, mais comme tu le veux. Toi qui choisis. Elle penche. Elle penche. Elle est casse-gueule, ta table. Je suis désolé, hein, mais j'y crois pas. Okay. Alors que là, je suis beaucoup plus confiant sur celle du déjeuner. Mais je vais finir dans l'autre sens. Un genou sur le bois. Ah, bah alors, qu'est-ce que tu te pètes la jambe? Ou le genou? Je pensais que ça allait passer, je me suis trompé. Oh. Sur le pic en plus. Vache. Oh, malheureux. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait là? Oh, du café pour monsieur. Ah, attends. Je pense que la perche, je peux la débrancher, elle est suffisamment chargée depuis une heure. Voilà. Ah. Un autre instant, what else? C'est ça. Déjà, on va te mettre à l'honneur. Enfin, si j'y arrive. Comment ça, le Tmerspawn n'est pas équilibré? Ouais, continue de... Oui, je vais prendre de la boisson normale avec le café. Tu as raison. On en est à 23 000 pas, on a fait 16 km. On a fait 16 km. Alors, où est-ce que j'ai mis les gobelets? Je les ai encore manipulés tout à l'heure. Je crois que tu as décroché un câble. Quoi? Oui, 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 la perche n'a plus besoin d'être en surcharge. Attends, j'ai manipulé les gobelets tout à l'heure. Ah non, ils sont peut-être devant. Ils sont peut-être pour pas être écrasés, j'ai dû les mettre devant, je crois. Oui, c'est ça. C'est logique. C'est logique. Confortable. Attends. Oui, merci, voilà, t'es adorable, t'anticipes tout. Ouais. Voilà, le sac, pas qu'il coule, le sac. Voilà. Il est crevé. Voilà, je fais le tour. Je fais le tour. C'est scandaleux. J'en ai marre. Merci Nayane. Je t'en prie. Ah oui. Hop, c'est la fin du café. Merci. Il est encore chaud. Ah oui, il est encore chaud. Merci. Merci tout le temps. T'as regardé une petite goutte. Oh, le goutte. Il n'y a plus rien. Ça reste collé au fond. Merci. C'est de la mousse. Pardon. Excuse-moi. J'ai étalé mes jambes et du coup, je peux pas tirer. Non, mais non, t'inquiète pas, moi je... Et tiens, t'as encore un chocolat? Oui, il est là. Ok. Bien, merci. Ah, il y a des merles là-bas, il y a des merles au pied. Tout le sac... Non, mais c'est normal. Oui, non, mais il va tomber. La partie supérieure, c'est sans risque. Putain, ton truc sera sous bac déjà prêt. Oui, mais c'est plus droit puisque c'est le pilier, donc pas fou, pas fou. Oui, non, j'ai mis sur le pilier le gobelet. Il n'y a plus personne. On a l'impression que tout le monde s'est barré, qu'il y a eu une alerte générale et tout le monde s'est barré. Il y a l'air la bombe dans le parc. Ouais. Une bombe à base de fumier de cheval. Tu passes à côté, après c'est tout propre. On a retrouvé ta mine, c'est toi. Tu voulais piéger le parcours équestre.
T'es filmé ou pas? Oui, ça filme, ça tourne. Non, mais toi, parce que la caméra, elle va... On voit ma tronche. Okay. Systématiquement. T'es à l'honneur. D'accord. Ah oh, oui. Alors, faut que je me tienne à cœur ou pas que je fasse des... comme ça. Tu fais ce que tu veux, mais ça passera sur Internet. Alors. Voilà. Ne compte pas sur moi pour censurer une séquence, parce que je m'abuserai pas à ça. J'assume tout, je balance d'autres. Non, mais je me suis laissé surprendre vraiment par le cheval tout à l'heure. Je reverrai chez moi la séquence. Vraiment, dis-toi que j'arrive, le niveau du terrain est plus bas que le niveau du cheval. Au niveau du cheval du terrain. Le cheval, il est immense, il fait 2 mètres. Et j'approche de l'enclos du cheval, je fais face au soleil. Donc j'ai tout contre moi. J'ai le terrain, j'ai le soleil qui m'éblouit et j'ai le cheval qui me fait face. Vraiment, quand je tenais la caméra, j'étais... je vais finir écrasé sous le cheval. Ouais. J'ai eu trop les boules. Est-ce que t'as un couteau? Non. Enfin, j'ai un couteau suisse, mais ouais. Ah non, parce que je l'ouvrirai en deux et sentir à l'intérieur, ça sent la pomme, en fait. C'est pas mon couteau suisse, on va pas l'affaire pour ça. D'accord. Il aurait fallu une machette à la crocodile d'Indé, là je t'aurais dit oui, mais j'ai pas ça. Après, ça devient une herbe blanche. Tu vois. Alors oui, tu fais bien d'en parler. Je sais pas si ça existe encore, mais il y a quelques années sur Nancy, il y avait des débarras militaires. Et les démarrages militaires, d'ailleurs, c'est con. D'ailleurs, tu m'y fais penser. J'ai quelque chose dans mes stocks, dans mon matos qui est rangé au fin fond d'une armoire. Je m'étais pris comme une ceinture, tu sais, de Rambo. Alors, c'est pas les grosses munitions, mais c'est des gobelets, des trucs à boîte. Donc, c'est con. Mais si tu veux une ribambelle de trucs sur toi, de bouffe, de boisson, tu peux. J'ai trouvé ça génial. Et j'ai acheté les bandoulières de boîte. Que je peux. Je vois un jour que je mette ça. Bref, j'en reviens au débarras militaire. Et le mec, il exposait effectivement des armes, et des armes blanches, et pas des petits couteaux, quoi. Des machins à crampons, des machins pour vraiment découper des grosses bêtes. Tu sais, t'es chasseur, tu veux découper sur place ton sanglier et ton chevreuil. C'est mieux qu'un couteau de boucher, couteau de chasse. Et des couteaux militaires. Et puis je lui dis, mais merde, vous mettez ça à la vente. Genre, regarde le vendeur. A pas besoin d'une formation et d'un permis. Tu me rassures qu'ils font un permis pour avoir ce genre de truc. Mais visiblement, ils faisaient la tête du client. C'est-à-dire, s'ils voyaient que le gars n'était pas barge, ils prenaient le risque de lui vendre. Ce qui est risqué, parce que le mec est vraiment taré comme un crime. Le vendeur, il est dans la merde. Mais. Le criminel aussi. Oui, bien sûr. Mais il engage sa responsabilité. Parce qu'il n'est pas censé délivrer comme ça. C'est à la base, j'avais une idée en tête et je me disais, tiens, c'est pratique pour aller en forêt. C'est-à-dire, tu sais, des trucs scouts, tailler des bouts de bois, faire des machins. C'est con, mais c'est vachement pratique. Et j'avais l'optique là en allant dans les barres militaires en disant bah, tiens, je vais peut-être m'acheter un couteau de machin, de tout terrain, GI, machin. Et en discutant et en voyant surtout les couteaux, c'est pour ça, je l'interrogeais. Je lui dis vous êtes sûr que vous pouvez me vendre ça? Bah non, normalement, il faut un permis. Là. Si vous n'avez pas l'autorisation, je ne vous le vendrai pas. Oui, bah tu me rassures quand tu vois les armes, les boules. Tiens, je t'en rajoute 2. Oh l'autre, ça y est, j'ai pris goût. J'ai pris goût. J'en ai gardé un, ça me suffira. Je vais le mettre en exposition dans mon meuble. Ouais. Je rigolerais bien que Rigley se passe ça pour un joujou. Et tu... Ah, je vais lui en prendre quelques-uns pour lui. Tiens. Ah non, si ça tape sur le sol, les voisins vont pas être contents. Oui, t'as pas de moquette chez toi, c'est du parquet, je crois. Ouais, du parquet, du tapis. Ouais, ça a tapé. Ouais, les voisins m'ont gueulé. Une fois, j'ai pris une balle rebondissante. La voisine vient me voir. Ah, est-ce que tu pourrais arrêter avec ta balle rebondissante, s'il te plaît? Quand je suis allé voir tout ça. Et... Ouais. Bah... Après, bon, ils ont eu des gosses, donc c'est eux qui faisaient jouer. C'était marrant. Pour eux, ça ne me dérangeait pas, mais voilà. Normal, non, moi, j'ai la voisine, là. Cet été, ce printemps, je ne sais pas ce qu'elle a fait dans son garage. Et son garage est mitoyen à mon logement. Donc. Enfin, ça, c'est à sa discrétion, mais c'est parce qu'elle a divorcé, enfin, elle a divorcé, elle s'est séparée lors du confinement, ou un peu avant, je crois. Donc, elle a un nouveau compagnon. Autant j'adorais son mari, autant son nouveau compagnon. Il n'est pas sympa. Je sais pas, il est distant, il est bizarre, et j'ai une certaine antipathie envers lui, quoi. D'accord, ah, ok. Enfin, voilà, mais tant mieux pour elle. Hein. Ouais. Mais ce qui m'enquiquine, c'est que lui, visiblement, il est bricoleur. Ce qui n'était pas le cas de son époux. Ah oui. Et oh là là, il joue de la perceuse, il joue de ce que tu veux et ça fait chier. Ouais. J'étais plus calme les années précédentes.
Et parfois, je vous le dis quand je suis en direct Twitch, je vous dis, j'espère que vous n'entendez pas mon son chez moi, parce que j'ai la voisine qui joue de la perceuse, de la décapeuse, je sais pas quoi, et... Oh, c'est chiant. Oh, tu dis, après ça, tu... Il t'en faut 7. Il existe encore le vendeur de marrons chauds à Nancy, là, celui qui hurle tous les hivers. Chaud, je crois que j'ai croisé l'hiver dernier. Il vend des trucs. Oui. Ouais. Bah, il les ramasse, hein, il se fait pas chier. Je pense pas qu'il achète une commerce. Il est malin, le mec. Il en récolte. Là, il doit partir dans les parcs de la région en récolter à mort, se faire des cagettes complètes. Parce que ça, je pense pas que ce soit réglementé. C'est pas comme les champignons ou les cueillettes. Ça, c'est tellement abondant que. Ouais. Que tu peux en cueillir en illimité, donc le mec doit pas être contrôlé, il est malin. S'il a le stockage et qu'il en profite. J'aimerais bien profiter de. Justement, les châtaignes, c'est la saison là en ce moment. De quoi? Parce que là, c'est la saison des marrons, mais est-ce que c'est la saison des châtaignes aussi? Je pense. Tout ce qui est fruits à coque, comme les noisettes, c'est maintenant. Oh, un châtaignier dans un jardin. Écureuil! Il y a un écureuil là-bas! Je le vois. Il est beau. Zoom bien. Je fais ce que je peux. Il n'a pas tout de suite PC. Hein, ouais, il y a des mecs qui arrivent. C'est dommage. On voit sa queue. Oui, c'est beau. Ah, il est parti d'aller là. Bah, il a entendu les humains. Là, je l'ai vu monter à l'arbre. Ils sont synchronisés quand ils tombent. Ouais. Il est encore là, l'écureuil ? Il est monté à l'arbre. Il est grimpé à l'arbre le plus proche. Celui à l'arrière-plan. Oh, trop bien, j'ai adoré, trop bien. Ah, ça fait deux écureuils aujourd'hui, c'est trop clair, c'est trop drôle. Mm-hmm.